brother. Vas-tu te taire? Ne parle plus, ne parle plus, ne parle plus. On est ici il y a longtemps. Je vais chercher l'eau, hein? Hein? Grand frère, si tu achètes du pain et du jus, ça sera mieux. Depuis qu'on attendait, moi je suis fatiguée. Si je savais, j'allais pas venir. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. C'est parce que tu connais cette petite voiture que tu veux me renverser. Pas de problème. Comme l'anglais sera de retour ici. Dans cette ville avec une grosse voiture, je vais t'apprendre à vivre la bonne vie, tu verras. N'importe quoi. Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est fou? Et ces villageois fait dans ces lieux? Tu les connais? Mais avance, t'arrêtes pas. J'ai pas du tout envie de les croiser et de causer avec lui. Un fou. Oh, du connerie. Wow. Oh, regarde ma ville. Ouais, si tu le dis, c'est comme ça, ça se passe. Gros. Maggi. Maggi. Tu quoi ici? Lève-toi les doigts sur ta bille. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu dois bien tenir ça que tu tiens là. Quand Laïs va revenir ici, il va marcher dessus et il va entrer dans la maison comme ça. Mais tu es là à dormir. Grand frère, rentre à la maison. Nous sommes ici depuis le matin. J'ai faim et j'ai trop soif. Va-tu te taire? Si ça t'encore dire ça, je vais te casser la tête. Tu sais faire quand même. Un truc simple comme ça, simple. Grand frère, je crois qu'ici Gladys est venue. Elle viendra te voir à la maison. N'importe quoi. Ah. Cœur, viens rencontrer Gladys. Ma mère. Viens voir ma maman. Viens rencontrer ma mère. Oh, ta mère. Oui. Eh, maman, bonjour. Dis bonjour à mon petit cœur. Hein? Dis bonjour à mon bébé, maman. Bonjour, maman. Oui, c'est mon bébé. Oh. Vous m'avez pris au bouquet. Viens par là, approche. Tony. Venez. Hey, maman, venez. Dans la venez. Je dois prendre mes bagages dans la voiture. Laisse-moi aller le prendre. Ok, laisse-moi t'ouvrir. Oh. Maman, oh, regarde cette voiture. Manqué, c'est trop joli comme ça. Est-ce que ça veut dire que Gladys n'en avait pas aujourd'hui? Mais maman était très sûre quand elle m'a dit que Gladys allait venir aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Elle était très sûre. C'est pourquoi elle m'a dit de venir l'attendre ici. Je suis fatigué, j'ai très faim. Il faut que je rentre. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il faut que je rentre. Quand elle va arriver, elle viendra me trouver à la maison. Non mais attends. Et si je partais maintenant et qu'elle venait après moi? Non, je dois encore attendre. Tu veux que je tombe ici, que je meurs pour que tu me croies? Depuis qu'on l'attendait, il va aller à la maison et manger. Thank you.
Ogo, Okoye. Ebuka, comment tu vas? Je vais bien, bon après-midi. Ah, bon après-midi. Ebuka, est-ce que tu sais ce que dit sa sœur déjà de retour ici? Ah, Oga Okoye, c'est pas encore ça. Je suis sorti de la maison très tôt ce matin, alors je ne sais pas. Ah oui, je comprends. C'est bon, c'est bon. Comment va maman? Elle va bien. Tu vas la saluer pour moi, hein? Salue-la pour moi. Oga Okoye. Tu sais, tu peux me trouver un petit quelque chose là, s'il te plaît. Ebuka. Ebuka. C'est non? Ah, laisse-moi voir ce que j'ai là. Oga Okoye. C'est bon. Hey! Débrouille-toi. Oga, merci. Oga Okoye. Ebuka. Tu es très fort. Merci non, beaucoup. Bon. Merci. C'est bon. Mati, mais pourquoi tu fais cette tête-là? Tu as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Comme tu peux le voir, je ne vais pas bien. Laisse-moi tranquille. Ah, bien. Ebuka, ne t'occupe pas d'elle. Vas-y, quand tu arrives à la maison, dis à maman que je passerai la voir plus tard aujourd'hui, d'accord? Pas de problème. Oga Okoye. Pas de problème. Merci beaucoup. Joka. Merci. Toujours toi. Allons-y. Toujours tu toi. Toi. Tu veux te tuer. Je te casserai la tête. Je veux te casser la tête. Allez, maman. Cette maison est vraiment vieille pour moi. Elle est devenue vieille. Je crois que nous devons la rénover. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Vraiment. Tu dois la rendre belle, n'est-ce pas, chérie? Bon, mère, je vous remercie beaucoup pour votre hospitalité. Merci. En effet, j'ai beaucoup apprécié et je venirai souvent encore. Tu sais, venir souvent vous voir. D'accord. Et je dois me barrer. Wesh, yo, bébé. C'est ça. On se casse. Non, son nom n'est pas bébé. Elle s'appelle Gladys. C'est ouais, ça, je okay. sais, Gladys, mon bébé. Oh, son bébé, Gladys. Allez, bébé, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas... relax, bébé. Tu sais que j'ai pas vu mes gars et j'aimerais m'arrêter là pour les voir. Sérieux? T'inquiète, mon cœur, je serai de retour bientôt. Mon petit cœur, tu vas voir. Ouais, tu me manqueras aussi. Sérieux, tu vas vraiment. Kedan, prends le clé de la voiture, je pars faire un tour. D'accord. Tu me manques déjà, bébé. Prends soin de toi. Et maman. Ouais, d'accord, je viens de vous voir souvent et souvent. Merci. Hey yo, gang! Dis-lui comment on t'appelle, non? Dis-lui ton nom. Je m'appelle Ebuka. 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 Bazooka. Ouais, je saisis, ouais. Ton nom est délirant, ouais. Bazooka. Oui, bébé, prends soin de toi. Allez, vas-y. Oh, ouais, Kidal, t'inquiète pas, on va le faire, ouais. Oui, c'est ça, c'est pour moi. Prends soin de toi. T'inquiète pas, mon cœur, bientôt je serai de retour. Ok. Au revoir. Ça, c'est mon bébé. Bien, Gladys. N'as-tu pas vu Okoye sur ton chemin quand tu venais? Oui. Je l'avais dit de t'attendre au point où nous sommes convenus. Bon sang, maman. J'espère que tu n'insinues pas que je devais arrêter ma caisse pour cause avec cet animal. C'est fou, c'est beau, rien. Dis-moi que c'est pas vrai. Il est trop vieux pour moi, okay? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne t'attendais pas à le transporter dans ton véhicule? As-tu déjà oublié qui tu es? C'est ton mari en devenir. L'as-tu déjà oublié? Bon sang, maman. Ebuka, je t'en prie, oublions ça. Tu sais quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles et je ne suis pas revenue dans cette ville pour ces gens de bêtises. Je suis venue pour me détendre. Une américaine! Ferme ta gueule! Ebuka? Bukaka, bukaka. Je m'en vais dans ma chambre. J'ai confiance en toi. Voici une américaine. Bukaka, bukaka. Allez, viens. Je ne te laisserai pas faire. Es-tu stupide? Okoye est là, il n'y a pas de problème. Remercie ton Dieu. Hein? Tu ne fais que m'embarrasser, tout le temps, m'embarrasser. Rien du tout, tu ne sais rien faire du tout. Le forgeron. Le grand forgeron que je connaisse. Le grand ingénieur de notre royaume de Awama. Dieu de ta bénio. Eh?
Pourquoi ton visage est comme ça, non? Hein? Pourquoi es-tu fermé? On dirait notre mascotte du village. Écoute, de quoi? Je ne suis pas disposé à écouter toutes tes blagues là, cet après-midi. De quoi? Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi un peu tranquille. Laisse-moi réfléchir à ce que j'ai traversé aujourd'hui. Oh, Koi! Qu'est-ce qui te prend comme ça? Je ne veux pas te laisser tranquille. Hein? N'es-tu pas supposé être content que ta femme soit revenue des États-Unis et te voilà en train de frimer? Hein? Tu es supposé être heureux. Tu ferais mieux d'aller à l'intérieur pour m'emmener quelque chose. J'ai entendu hein, qu'elle a ramené beaucoup de choses, surtout le hic. Quel hic? De quelle chose parles-tu enfin? De quoi? Tu t'es avec moi quand ça m'aurait dit qu'elle allait retourner aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, toute la journée, au coin de l'avenue, à l'attendre, mais je ne l'ai pas vue. Et je me demande si ta mère était vraiment sûre qu'elle allait retourner aujourd'hui. Tu ne l'as vraiment pas vue, hein? De quoi? Est-ce que c'est moi que tu écoutes ou tu t'écoutes toi-même? J'ai dit que je ne l'ai pas vu. Je l'ai attendu, mais je ne l'ai pas vu enfin. J'étais sous le soleil toute la journée. Tout le soleil d'aujourd'hui était sur moi. Laisse-moi la faire courte pour toi. Au moment où nous parlons là, hein, ta femme, Gladys, se trouve chez sa mère. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu crois qui m'a emmené jusqu'ici si ce n'est pas pour prendre mes bonnes choses qu'elle m'a ramené ici? De quoi? Est-ce que tu as bu? Ou tu as fumé? Qu'est-ce que tu as pris? Tu t'as fait voir Gladys? Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai bien vu, yo. Je l'ai vu avec mes deux yeux. Koro. Il était en train de danser et se réjouir. Et te voilà que tu es là, à être triste, comme si je mentais. Grand frère Anduke, bon après-midi. Ah, bonjour, bon, grand frère Okoye, donne-moi l'argent que je pars d'acheter de la nourriture. Il n'y a rien dans cette maison. Tu mourras pour la nourriture. C'est tout ce à quoi tu penses. Il y a quoi avec toi? M'as-tu remis l'argent gardé pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de crier? Hein? Quelqu'un t'a juste de demander quelque chose de simple. Donne-moi un peu d'argent. Un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Et te voilà en train de crier comme ça. Ça, ne t'en fais pas, oh. Ne t'en fais pas, oh. J'ai quelque chose pour toi. Je crois que ça va suffire pour préparer quelque chose à manger. Mais merci beaucoup. Non, c'est pas grave. Attends une minute. Attends. Ebuka a dit que. Qui n'a pas été à la maison depuis le matin. Cela veut simplement dire. Attends-moi, non. Hein? Luca, mais c'est quoi ton problème? Tu as quoi avec mon frère? Mais c'est pour voir Gladys, non? Gladys, c'est ta femme. Gladys, c'est ma femme et pas ta femme. Alors tu ferais mieux de rester ici. Laisse-moi partir. Alors je t'apporterai ce que j'aurais trouvé là-bas. Si tu me suis, il n'y aura rien pour toi. Oui, bien sûr, tu peux partir. Tu peux partir, non? Je vais t'attendre ici, oh. Tiens,
Ouais. Mais mon frère a tellement changé. Pourquoi il me traite comme ça? Des fois, je me demande si je suis vraiment sa sœur. Hey! Ne fais pas. Je souffrais dans cette maison. Si je savais, j'allais suivre ma sœur Adji. Ne fais pas. Hein? Oublie ça, non? Hein? Je suis toujours là pour toi. Il va changer. Hein? Je suis sûre que tu as faim. Très très faim, oh. Que dois-je préparer? N'importe quoi. N'importe quoi, je vais attendre. Ok. Hey! Fais que ça soit pimenté, j'aime quand c'est pimenté. Hey, qui est cet idiot qui veut salir ma voiture? Monsieur Okoye, n'est-ce pas? Ah, Gladys, est-ce que c'est moi que tu appelles Monsieur Okoye? Donc c'est toi qui appartiens à cette voiture qui m'empêche de renverser là-bas au coin de la rue. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas arrêté la voiture pour que je monte? Parce que je suis sûr que tu m'avais vu. Et où, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, une petite rectification. Négro, mon nom n'est pas Gladys. Hey. Mais plutôt Gladys, la première cowboy venant du Texas. Dans les États-Unis d'Amérique. C'est quoi ça? Oh, oui, vraiment, c'est moi. Oh, oui. Et quant à toi, toi, être mon mari. Oh. Applaudis pour toi-même. N'essaie plus jamais. Plus jamais raconter ces gens de bêtises. Est-ce que tu me comprends? Comprends-tu ce que je dis, monsieur? D'accord, je vois que tu ne comprends pas, alors laisse-moi te l'expliquer avec un langage facile. Wanne, es-tu malade? Es-tu malade? Si tu essaies encore une fois de m'appeler ta femme, je te trancherai les coups. N'essaie plus jamais de m'appeler ta femme, pauvre idiot. Ferme ta bouche. Je ne suis pas de ton niveau, maman. Je dis la ferme. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est vrai? T'es sérieuse, maman? C'est vrai, maman? Mais cette fille a totalement changé. Qu'est-ce qui ne va plus avec toi? Es-tu devenue malade? Ne sais-tu pas qui il est? C'est ton mari en devenir. Hé, hey, maman, écoute-moi très bien. Bordel de merde, ne m'appelle plus jamais Gladys. Parce que si tu m'appelles par ces noms, je ne vais pas te répondre. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas mon appellation. Mon nom est Gladys. La première cowboy du Texas. Venant des États-Unis d'Amérique. Oui. Maman, qu'est-ce qu'il y a avec ma future femme? Qu'est-ce qu'elle a? Okoye, s'il te plaît, je te supplie, au nom de Dieu, hein, ne prends rien au sérieux de tout ce qu'elle est en train de dire. Regarde-la. Je ne sais pas ce qui a pris le contrôle sur elle. Regarde comment elle est en train de fumer. Je ne sais pas si c'est la cigarette ou autre chose. Négro, je dis que tu es un fou. Tu es un idiot. Tu es trop vieux pour moi. Maman, ce négro est trop vieux pour moi. De quoi est-ce que tu parles? Ebuka? Ebuka? L'américaine qui parle. Kaka Bukaka. Adam Deo. Wanne apparaît. Wanne apparaît. Fais-toi voir. Je sais que tu es un nom. Un nom assez fort pour mettre ces fous hors de cette parcelle. J'ai plus envie de les voir. Oh gars, il faut partir. Vous tous des malades. Je ne vais pas les répéter. Qu'ils disparaissent. Ebuka. Il faut partir. Vas-y, Ebuka. Non, je ne vais nulle part. Ebuka, allez. Non, je ne vais nulle part. Mets-le dehors. Non, je ne vais nulle part. Disparais. Vas-y, sors d'ici. J'ai pas envie de te voir. Ebuka, Ebuka. Je prie que revienne avec des dollars maintenant. Comme ça, il va me donner ma part d'argent. Après avoir mangé ma nourriture, je prendrai mes dollars pour en... Voici ton nom. Ne t'inquiète pas, la nourriture sera bientôt prête. Alors tu mangeras avant que tu partes, hein? Maman, c'est vraiment très gentil de toi. C'est bon. Merci beaucoup.
Hey! Hey! Okoye, mon gars! Ne me dérange pas, je ne suis pas d'humeur. N'ose pas. Qu'est-ce qui se passe, non? Hein? Qui a-t-il? Ne l'as-tu pas vu? Pourquoi es-tu en train de crier comme si quelqu'un était mort? Si quelqu'un était mort, ça aurait été mieux pour moi. Ça aurait été encore mieux, Ndoukoué. Grand frère Okoye, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas où. Toi, sorcière. Hein? Ah, c'est ce que tu voulais. Tu es contente maintenant. N'est-ce pas? Tu es contente. Tes prières ont été exaucées. J'ai envie de te... Ah, qu'est-ce qui se passe dans... Trop, c'est trop. Écoute, tu as assez maltraité cette fille. C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Ndoukoué. Tu restais plus longtemps qu'il fallait dans cette parcelle. Tu ferais mieux de partir d'ici maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Et tu sors. Tes deux oreilles là ne fonctionnent pas ou quoi? Tu n'as pas compris quoi? Sors de cette parcelle maintenant. Maintenant, je dis, maintenant, sors d'ici. Laisse-moi tranquille, Okoye. C'est quoi ton problème maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en train de me chasser comme si j'avais fait quelque chose de mal? Mais est-ce que je suis un criminel? Laisse-toi tranquille, oh. Est-ce que toi là, tu habites ici? Pas chez toi, tu veux? Pas chez toi, vas-y. Mais arrête de comporter comme un idiot comme ça. Ndoukoué. Adande. Oui, frérot. Tu as dit que tu ne veux pas que Okoye soit ton petit ami, qu'il laisse tranquille ton mari, n'est-ce pas? Oui. Allez, Nigro. Ça, c'est mon frère. L'âme dont tu parles. Là, je te reconnais. Ok? Cet homme est beaucoup vieux pour moi. Il est trop vieux et primitif pour moi. Ebuka, je vis beaucoup de choses. Je fais le tour du monde. Là-bas au Texas où je vivais, dans les États-Unis d'Amérique, je fais beaucoup d'investissements. Frérot, j'ai investi en Max et une personne comme Okoye ne saura prendre soin de ça. Non, cet homme est vieux. Il est beaucoup vieux pour être mon mari. C'est pas possible. En tout cas, moi, ça me va. En ce moment-ci, je vais dire au moment où nous parlons, Okoye n'est plus ton petit ami. Bukaka, bukaka. Il doit chercher son niveau. Ça, c'est mon petit frère. Oui, là où tu parles, je t'apprécie, frérot. Grand frère Buka, pourquoi as-tu oublié si rapidement ce qu'Okoye a fait pour nous? Ah, tu vois? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Ah, grande sœur, en vérité, tu as dit des choses et tu vas le faire. Mais tu ne peux pas oublier la personne qui t'avait aidé quand tu n'avais rien. Bordel! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? T'es sérieuse? Oluti! C'est pour cela parfois, je vais te gifler pour rien. Parce que tu parles toujours des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Ne sais-tu pas que la lumière et les ténèbres ne s'entendent jamais? Les deux sont nécessaires. La lumière et les ténèbres ont un rôle dans la vie d'un être humain. Regarde-moi ça. Adane, notre américaine, ne t'occupe pas de cette idiote. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Hein? Comme tu as dit que tu ne veux pas que Okoye soit ton petit ami, ok? Très bien, laisse-le juste à moi. Je vais m'occuper de lui. Moi, Buka Sinata et Buka, je vais me rassurer de les traumatiser si je les vois seulement tout près de toi. Il doit chercher quelqu'un de son niveau. Écoute, frérot, tu n'as pas besoin d'interférer dans cette affaire. Parce qu'Okoye n'est pas de ma taille. Il ne saura compétir avec moi. Je peux le gérer. Il est trop petit pour compétir avec une Américaine comme moi. Frérot, tu calmes. Ok? Il n'aura même pas l'état de t'approcher. L'Américaine qui parle. L'Américaine qui parle. Qu'est-ce que ce vaurien va t'apporter? Dois-je apporter ta nourriture ici? Grand frère, la nourriture est prête.
Combien de fois je t'ai déjà dit de rester loin de moi? Combien de fois je t'ai dit ça? Combien de fois? Tu veux que je te tue, n'est-ce pas? Non. Tu veux que je te tue, mes n'est-ce pas? Mes oreilles, non. Laisse-moi bien te dire. Mes oreilles. Je veux que tu ressentes ma douleur. Je veux que tu ressentes ma douleur. Je veux que tu ressentes ma douleur. Mais c'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah! J'ai un sujet important sur lequel nous devons parler. Ne m'entends-tu pas? Pour l'amour du ciel, maman. Je crois avoir été claire avec toi. La dernière fois que nous avons discuté, j'avais dit que mon nom n'est pas Gladys, mais plutôt Gladys. Oui, tu ne peux quand même pas t'attendre à ce que je réponde à un nom qui n'est pas bien. Non, 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 non. Ok, as-tu perdu la tête? Hein? Ton nom, c'est Gladys. Où est la différence entre Gladys et ce que tu racontes? Détends-toi, maman. C'est pas de ta faute. Tu ne connais pas la phonétique. Ah! Faut quoi? Phonétique. C'est pas Gladys, mais Gladys. Ok? Allez, arrête de bêtises. Prends place, on va parler. Tout ce que tu mets sur ton cou là, ça ne te dérange pas? Allez, ne la crache pas sur mon visage. Mets-toi, on va parler d'un sujet très important. Prends place, mets-toi, Gladys. Okoye, pendant combien de temps vas-tu continuer de pleurer pour ce qui t'appartient légalement, hein? Et pire encore, Gladys n'est rien du tout sans toi. Toi et moi savons que peu importe qu'elle est aujourd'hui, c'est toi, Okoye, qui a fait cela. Hein? Alors, pourquoi maintenant peux-tu lui permettre de priver de ce qui te revient de droit légalement? Vas-y, regarde-moi. Si tu veux, regarde-moi de maintenant jusqu'à demain. Hein? Ça ne va pas m'empêcher de dire la vérité. Undukwe, que veux-tu que je fasse? Comment ça me battre pour qu'elle me fasse encore la honte? Cette fille m'a déjà assez fait de la honte, n'est-ce pas? Écoute, je survivais avant qu'elle ne revienne des États-Unis d'Amérique. Et je vais encore survivre. Ce sont des paroles de consolation pour un faiblard. Et je ne te connais pas en tant que tel, hein? Quelqu'un que je connais est très brave. Et il ne pourrait jamais succomber à des intimidations. Sans même parler de celle-ci, qui provient de femmes qui normalement s'agenouillent pour ruiner. C'est quoi que tu racontes? Undukwe. Que veux-tu que je fasse? Encore te battre? Bats-toi! C'est pour l'amour au courrier. Hein? Maman, il en est incapable. Oui, Okoye sait qu'il ne peut pas se battre avec moi. Mais s'il ose, je vais me rassurer qu'il cesse d'exister. Maman, tu me connais. Tu sais ce que je peux faire. Tu sais que personnellement, je peux bien m'occuper de lui. Ok? Tu calmes. Ma fille. Et je sais que tu y as toujours été ambitieuse. Mais
Ça, ce n'est pas du tout bon. On ne peut mordre la main qui t'a nourri. Et c'est comme ça que tu veux payer Okoye après tout ce qu'il a fait pour toi et pour tout ce qu'il a fait pour cette famille. C'est ça le problème. Maman, c'est ça le problème. Qu'il donne un prix et je vais payer. Ah oui. Écoute, maman, mais dire que cette chose devienne mon mari, jamais de la vie. Jamais. Je ne peux plus sortir avec cet homme. Plus jamais. Ok. Allez, maman. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu ne réfléchis donc pas? Écoute, si tu n'as plus rien à me dire, il serait mieux que je sorte. Parce que j'ai des tonnes de choses à faire dans ces villages avant mon retour au Texas. Ah. Ok. C'est donc ça que tu veux faire? Uh-huh. Je ne prendrai jamais part d'un tel plan. Moi, ta mère, Njideka, je ne prendrai point part à ceci. Après tout ce que cet homme a fait pour cette famille, je ne peux jamais, jamais alors accepter ça. C'est vrai. Laisse-moi te dire une vérité. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Tu sais quoi, maman? Ça. Mais t'égale. Vraiment? Oui. Ah, ok. Quand le temps viendra, tu t'en occuperas. Merci beaucoup, mon très bon ami. Hein? C'est pourquoi on dit toujours, des bonnes têtes valent mieux qu'une seule. Ah, tu l'as dit. Tu vois? C'est tout le monde qui connaît tout. Hein? Tu vois comment est-ce que... Le monde est très petit. Alors, faut bien réfléchir. Sinon, tu risques de quand même beaucoup d'erreurs. Undukwe. Ce soir-là, je veux sortir avec toi. Je vais t'acheter à boire. À cause de cette sagesse-là que tu viens de partager. Hey, tu vois, maintenant tu es en train de parler comme le coco que je connais. Laisse-moi aller me changer. Ne t'en fais pas, je t'attends ici. Si tu continues, ça ne sera plus la bière, mais il faut faire attention. Je reviens. Vas-y, je t'attends ici. Stop, fais vite. Ça c'est le que je connais. Machi, pourquoi es-tu dans cet état? Machi, pourquoi tu es si silencieuse? Ne sommes-nous plus tes amis? Parle-nous, non? Je n'ai pas encore mangé depuis le matin et j'ai trop faim. Tu veux dire que tu n'as pas encore mangé? Il n'y a pas la nourriture dans cette maison. Mon frère ne m'a pas laissé l'argent pour préparer. Ok, alors laisse-moi juste la rochette pour que je mange avec lui. Attends. Comment peux-tu plaisanter à ce genre de sujet? Tu veux dire que ton frère est sorti de la maison sans pour autant te laisser même un franc pour que tu achètes à manger? Ngozi, Ada, je suis en train de mourir. Je mourrai pour la famine qui est dans cette maison. Si vous avez quelque chose, aidez-moi. Vous savez que je n'arrive pas et je vais mourir. T'inquiète pas, je vais t'apporter quelque chose à manger, ok? Tu vas me donner la nourriture. Oui. T'inquiète pas. Merci. T'inquiète pas. Merci. On y va. Un petit rien, ok? Merci. On attend. D'accord. Je demande même la nourriture pour manger. Mon frère est en vie, mais j'arrive à demander la nourriture pour manger. Bébé. Je crois que mon village te plaît. Ouais. Le village nous détend un peu, tu sais.
C'est pourquoi j'aime m'arrêter ici, tu sais. Avoir mon bébé à mon côté, c'est presque tout. Ce village est quelque chose d'autre. Ouais, tu le dis. Je l'adore. C'est la voiture de Gladys. Oui, c'est bien sa voiture. Je veux te dire que cette voiture appartient à Gladys. Bien sûr que oui. Hey! Hey! Qu'est-ce que elle doit me dire pourquoi cet homme jouit de ce dont je suis supposé jouir moi. Oh, oui, aujourd'hui. Maintenant, tu parles comme un homme. Je suis solidement derrière toi. Allons-y là-bas. Tu es derrière moi, c'est ça? C'est ça, non? Tu es derrière moi. Je suis derrière toi. Mais pour qui? C'est pour moi, celui-là. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème, putain? Es-tu normal? Es-tu malade? Es-tu fou? C'est quoi ce délire? Qui sont ces gars? Tu les connais? Ta mère, ça bat sur toi. Regarde-moi, c'est bon, est-ce que tu les connais? Sérieux? Sérieux? Oh, sérieux? Hein? Bébé, avant que je fasse quelque chose de stupide, tu peux gentiment me dire qui sont ces connards? T'es fou. Ils ne sont personne. Les agents de sécurité. C'est quoi? Oh, vous êtes de sécurité. Hé, hey, écoute-moi, je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour toi. Sinon, je vais la transférer vers toi. Gladys. Donc, c'est pour ça que tu as décidé de ne plus me poser, c'est ça? Après que j'ai souffert, été envoyé à l'étranger. Tu es revenu ici avec un homme, c'est ça? Avant que je fasse quelque chose de stupide, veux-tu fermer cette chose que tu appelles bouche? Regarde Gladys. Donc finalement tu en fais grandir, n'est-ce pas? Hein? Non mais imagine que tu traites au non maintenant, hein? Même au qui tu as brisé le cœur. Laisse-moi la frapper au... Hein? Écoutez, je ne voudrais pas ajouter sur votre colère plus de frustration, d'accord? Donc il serait mieux pour vous de foudre les camps maintenant. Hein? Regarde, Léo, on va partir d'ici. Partez d'ici. Pas d'ici. Allez-vous faire. Tu vas te tuer dans cette ville. Disparaissez d'ici. Je vais le faire moi-même. Partez d'ici. Gladys. Gladys. Dégagez. Donc c'est lui. C'est lui. Adamé, attends. Calme-toi. Tu as dit Okoye. Okoye Kwatanise et son ami stupide. Ombuko Luko ont eu le courage et même l'audace. Hein? De venir. T'insulter toi et ton bébé. Aujourd'hui. Allez, frérot. Bukaka. Négro. Tu aurais dû voir l'humiliation. Hey! Cet idiot, ce vieux fou, cette chose, a été topé de balancer par terre ma boisson. Hey! Okoye, qui t'a donné les droits? Qui t'a prêté ce courage? Hein? Okoye, tu ne sais pas, tu as eu l'audace d'insulter ma grande sœur américaine avec son bébé? Hein? Vraiment?
Vas-y, frérot. Boukaka, boukaka. Okoye, ne me provoque pas. Boukaka, boukaka. Tu vas le regretter. Oui, négro. Boukaka. C'est fou. Cet idiot a eu les culots de me défier. Je dois lui montrer que je suis la reine des cowboys au Texas, dans les États-Unis d'Amérique. Okoye. Okoye, j'arrive. J'arrive, Okoye. Okoye. Où est mon arme? Okoye. Où est mon arme? Tu verras. Je vais te montrer que je suis la reine du cowboy au Texas. Tu verras. Merde. Okoye. Oluchi. Ah, grande sœur Chinyere. Toi, tu ne restes pas sur place. Bon après-midi. Bon après-midi. C'est vrai que ta sœur, mon amie Gladys, est revenue de l'Amérique. Ah, ça fait déjà des jours qu'elle est revenue et elle n'est pas venue te voir. Non, je la prends juste de bouche d'autres personnes. Et c'est pourquoi je me suis décidée d'aller lui voir, puisqu'elle, elle n'a pas du temps. Après que j'ai fini tout ce que je suis en train de faire. Ah, ah, grande sœur, ne dis pas ça. Si elle n'est pas venue te voir, cela veut dire qu'elle est occupée avec d'autres choses. Ok, je suis d'accord. Écoute, dis-lui de garder tout ce qu'elle a amené pour moi. Oh. Je viens de le récupérer. Ouais, okay? Ok, pas de problème. Bye bye. Bye. Taï. Oh. Arrête de me regarder, Okoye, parce que je t'avais prévenu, mais tu ne voulais pas écouter, hein? Je t'avais dit que tout ce que tu fais pour une femme, tu aurais dû le faire pour un chien. Mais tu as dit non. Hein? Mais je t'avais dit que Gladys était différent et que Gladys est parfaite. Gladys est ceci, Gladys est cela. Mais maintenant, regarde toi-même. Non, regarde toi-même maintenant et te fais une mort. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un moment pour pointer une arme. Moi, on du milo. À cause de ce petit garçon et Bouka. Kai! Oh! Mais, Gladys, tu verras ce qu'il va t'arriver. Vas-tu la fermer? Hein? Vas-tu la fermer? Pourquoi tu es en train de jurer au juste? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? On apprend ça le traitement après la mort, ou si tu ne sais pas. Parce que je t'avais prévenu. Hein? Ne t'avais pas prévenu. En tout cas, je te dis la vérité. Gladys m'aime vraiment beaucoup. Elle ne me quittera jamais pour un autre homme. Son amour pour moi est très très fort. Honnêtement, laisse-moi te poser une seule question. Tu es déjà allé à l'école, hein? Est-ce que tu as ne serait-ce qu'un petit cerveau? Parce que des fois, la façon dont tu parles. Je me demande des fois si c'est le même Okoye que je connais, hein? Ou bien c'est cet esprit stupide qu'on appelle l'amour. Oh, quel est ton problème? Attends, Okoye, qu'est-ce que nous agites même comme ça? Quoi? Je veux que tu fasses ce qui est nécessaire. Laquelle? Stop investir ton argent difficile dans cette fille, Gladys.
Vestir l'odorant de ta sœur pour ne pas crier à haute voix. C'est quoi ton problème? Quand tu vas vestir en elle, tu ne vas jamais le regretter. Voilà ce que tu dois faire. Attends. Est-ce que mes petits t'ont dit que moi, je ne fais rien du tout pour eux? Non, personne ne m'a rien dit. Oui, exact, tu débrouilles, mais fais-en un peu plus. Tu sais que tu peux faire plus. Alors, Hey, ma chérie. Hey. Comment vas-tu? Oh, je dois partir. Je te verrai plus tard. D'accord. Reste un peu vite. Ondoque, tu t'en vas? Oui, faut que je parte. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je ne sais pas, ne le suis pas. On doit parler de nous deux. Tu m'as manqué. Moi aussi. Alors, comment vas-tu? Je vais bien. Comment va maman? C'est maman, elle ne se sent pas bien. Je vois ces signes depuis longtemps. Mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Ah maman, tu n'aurais pas dû faire ça. Ta santé devrait être la chose la plus importante pour toi. Hein? Et que tu sens quoi que ce soit, tu nous dis, nous allons voir comment nous allons t'aider maman. Et c'est la raison pour laquelle... Je suis restée silencieuse depuis tout ce temps parce que je sais que tu n'as pas d'argent. Et si on reste sur ça et que ça demandait beaucoup d'argent, je crains que tu sois en train de te déranger parce que je connais ta situation financière. Mais est-ce que tu m'en as parlé? Je t'ai dit que je n'ai pas l'argent, maman. Hein? Adane, combien demande au Geshi pour le traitement de maman, dis-moi? La demoiselle a dit qu'il nous faut donner 7000 naira pour le traitement. Écoute. 7000. Mais 7000, c'est beaucoup, non? Où est-ce que nous aurons cet argent? Et c'est pourquoi je me suis décidée de ne prendre que de l'eau et des herbes. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Et pourquoi veux-tu prendre cela? Je n'ai pas c'est de choix possible. On peut concocter pour moi de l'eau avec le bon, feu. Je vais le prendre. C'est bon. Voici 4000 naira. Amenez maman auprès de Ogeshi. Dites-lui de commencer le traitement immédiatement. Oh. Dites demain ou après-demain, je vais compléter l'argent. Hey! Merci. Oh gars, tu es trop fort. Bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Maman. Dois-tu toujours porter le fardeau de cette famille? Mon Dieu te bénira énormément. Mon Dieu te bénira énormément. C'est bon, maman. C'est aussi ma famille. Il faut que je prenne soin de vous. Mon Dieu se souviendra de toi. Oui, maman. Merci. Ce n'est rien. Ah, Maji. Comment vas-tu? Hey, oh Dieu d'Ogo. Machi, as-tu mangé? Oui, je mangeais. Et pourquoi ton visage est comme ça? Grand frère, je vais te demander une chose. Est-ce que par hasard je te manquais du respect? Comment tu peux me demander ça? Si tu essaies, je te casserai en deux. Et pourquoi cette question stupide? Grand frère, j'ai honte de voir mes amis aller à l'école et moi je reste ici à la maison sans rien faire. S'il te plaît, paye mes frais scolaires pour que je rejoigne mes amis à l'école, s'il te plaît, grand frère. Mathieu, je le sais bien qu'à chaque fois que tu rallonges ton nez comme une autruche, tu vas dire des bêtises. Combien de fois je vais vous dire à toi et ta sœur que je n'ai pas d'argent? Est-ce que vous savez comment je fais pour que vous ayez à manger dans cette maison? Mais grand frère, Mathieu, c'est moi qui parle. Quand moi j'avais votre âge, papa n'avait pas d'argent. Il fallait que j'abandonne l'école pour apprendre le soudage. Je suis maintenant soudeur. D'accord. C'est moi qui ai fait étudier Ichiroma à l'école secondaire. Et je paie encore tes frais à toi. Écoute, je pense que vous devriez aller chercher quelque chose à apprendre.
je veux peut-être vous aider. Hein? Cherchez carrément quelque chose à apprendre et moi je vais vous aider. Hein? À cause de ton égoïsme, est-ce que tu m'as demandé pourquoi je ne suis pas allé au travail aujourd'hui? Non, c'est que je n'ai pas de carburant pour mon générateur. Grand frère, j'ai dû abandonner mes études. Tu n'as pas d'argent. Grand frère, tu t'attends parler. La fois passée, ton tante Gladys était ici. Elle était en train de se plaindre qu'ils n'ont rien mangé. Grand frère, elle avait demandé 500 naira. Mais tu as compté 3000 naira, tu lui as donné. Et tu lui as ajouté 500 naira pour le transport, tandis qu'elle pouvait marcher à pied. Mais quand il s'agit de ta famille, tout change. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Grand frère, les esprits de nos parents ne sont pas contents avec ton changement d'attitude. Tu vas te taire. Va-t'en vite d'ici, tu commences déjà à m'énerver. Je dis va-t'en d'ici. J'ai juste besoin que tu payes mes frais scolaires, mais toi tu es là en train de gaspiller l'argent et ne rien faire d'autre. J'en ai marre. Idiote. Nya, 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 nya. Comme si tu savais comment on fait l'argent. Idioma, pourquoi tu me fais comme ça? Grand frère, c'est les frais des formulaires. Tu as promis de me les donner aujourd'hui. Rappelle-toi, je te l'ai demandé, ça fait déjà longtemps. Oh. Hein? C'est pour ça que ton visage est comme ça. Grand frère, mon visage est toujours comme ça. Hmm? Et s'il te plaît, donne-moi cet argent, bientôt l'inscription sera close. Et c'est comme ça que j'ai raté l'inscription de l'année passée. Oh. Je ne vais pas les rater cette année. Idioma. Tu fais comme si j'avais l'argent avec moi, mais je ne voulais pas te le donner. Je n'ai pas d'argent. Les choses sont très très difficiles. Hein? C'est ce que tu as dit l'année passée. Tu n'as cessé de crier. Il n'y a pas d'argent. Les choses sont devenues dures. Hein? Mais quand il s'agit de Gladys, l'argent sort mystérieusement. Tu le trouves pour la donner. Quelqu'un vient de mentionner mon nom. Oui. Et c'est bien moi. Reste loin de mon frère. Depuis qu'il est en relation avec toi, il ne s'occupe plus de moi, ni de ma sœur. C'est quoi ça? Idioma, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Arrête ce que tu fais là-haut. Attention. Maman, tu n'hésites pas de la défendre. Elle est comme une souris qui te mord d'un côté et la adoucit de l'autre côté. Ne sente pas la peine. Est-ce que tu essaies de m'insulter ce matin? Qui la foudre t'achève? Qui? Moi? Qui essaie de... J'essaie de faire quoi? Je t'insulte. Hein? Idiote. Tu calmes, bébé. Je ne parle plus. Grand frère. Et tu me frappes à cause de cette fourrière. Tu parles encore. Tu veux que je m'occupe de toi, c'est ça? Okoyoko, c'est bon, arrête. Stop. Laisse-moi lui apprendre une bonne leçon. À quoi est-ce que cela servirait? Hein? Je t'en prie pour l'amour du ciel. Je ne veux pas que tu puisses te disputer avec ta sœur à cause de moi. Je ne veux pas. Surnoise, on dirait qu'elle m'aimait. Allez, mets-toi, Okoy. Pars de signer, reste bon, pas là. C'est bon, ça suffit, mets-toi. Va-t'en, toi aussi. Le frais des formulaires pour... Il va te les donner. Je dis qu'il n'y a pas d'argent. Tu n'as pas entendu. Pas d'argent. Okoye, je suis venu prendre l'argent que tu avais promis à ma mère. Il n'y a pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Oh. Vas-tu te calmer? Ça te regarde? C'est à toi qu'elle parle. C'est bon. Je me préparais à venir chez toi à la maison pour apporter l'argent. Avant que cette idiote ne m'arrête. Sala, c'est 5000 naira. Hein? Tu vas donner 3000 à Ogechi, comme j'avais promis. Hein? Et le reste, tu vas acheter quelque chose pour maman. Hey! Hey, oh! Grand frère, là, tu ne fais pas bien. Cette femme t'a mis quelque part. Non, c'est n'est attends pas là. Vrai. Non, laisse-moi. Viens encore me déranger, tu verras. Du n'importe quoi. Viens encore me déranger comme si tu m'aidais à trouver l'argent. Ma chérie, ne la suis pas, d'accord? Je ne lui ai rien fait de mal. Il m'a frappé juste parce que je lui ai dit la vérité. Il dit qu'il n'a pas d'argent pour mes frais d'inscription.
Mais quand Galice est venu pour la même demande d'argent, il lui a donné directement. Pourtant, c'est moi qui lui ai demandé avant. Attends, c'est sérieux? Hein? Hey! Mais qu'est-ce qui ne pourquoi? Je ne sais pas, mais je sais que cette souris, cette fille n'est pas normale. Elle a certainement mis mon frère sous un charme. Non, 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 non. Alors je crois bien que c'est un charme. Mais t'en fais pas, personnellement du pas parler. Hein? Alors ne te dérange, je peux pas trop s'il te plaît. Hein? Hein? Ça, c'était la énième fois que ta sœur venait me parler. Que ta sœur, venait pleurer chez moi. Mais disons que tu ne la donnais pas à cesser d'attention. Juste à cause de la même Gladys. Hein? Voilà qu'à chaque instant, elle a pleuré. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas fait à ta sœur? Juste à cause de Gladys. Et même l'Amérique où elle était allée. Tout ça, une idée de Idioma. Et j'étais là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Grand frère, c'est sérieux. C'est très vrai. C'est juste comme toutes les loteries. Mais pour ces cas précis, on ne gagne pas l'argent, mais plutôt l'opportunité de voyager à l'étranger. Non, attends. Tu veux dire que si je gagne la loterie, je voyagerai à l'étranger? Et ce qui est intéressant ici est que tu dois voyager avec un membre de ta famille ou ta femme. Grand frère, si cela est vraiment vrai, hein, va jouer. Parce qu'on est fatigué de rester dans ces villages où, Dieu merci, tu n'es pas encore marié. Voilà qui parle. Tu vas sortir d'ici, tu ne resteras pas dans ces villages. Tu veux dire que si je gagne cette loterie, moi je vais t'amener à l'étranger. Idioma, combien coûte le billet? C'est juste 7 500. C'est moins coûteux. Tu vois? Tu penses que je ne sais pas? C'est pourquoi je dis que tu es une voleuse. Oui, c'est parce que je ne sais pas. Tu cherches seulement tous les moyens pour me soutirer de l'argent. Hein? Comment peux-tu me dire qu'un billet aussi simple peut coûter 7 500 naira? Pas 50 naira, pas 100 naira. Oh, grand frère. C'est à 7 500. Tu peux demander à tout le monde. Et je te l'ai juste amené parce que, tu sais, tu as de la chance. Tu as bien fait, mais notre frère a d'autres idées derrière sa tête. Ndoukoué, je ne comprends pas pourquoi tu dis que je ne devrais pas aller avec Alice aux États-Unis si j'obtiens mon visa. Tu sais que des fois tu poses des questions stupides, hein? Pourquoi est-ce que tu dormes la manière avec toi, hein? Pourquoi est-ce que tu t'en iras avec elle? Qui est-elle? Est-ce que ta mère? Qu'est-ce que tu dis? Pendant que tu as vraiment une sœur très intelligente, hein?
Tu sais bien que tu t'aimes beaucoup. Hein? Ça serait bien qu'elle ait de l'affection pour toi. Plus Gladys. Qu'est-ce que tu es en train de dire? De quoi tu connais ton problème? Ton problème, c'est la jalousie. Moi, jaloux de qui? Hein? Tu es jaloux parce qu'il n'y a aucune femme partout dans ce village qui t'aime comme Gladys, mais moi. C'est ça ton problème. Tu n'as pas de chance. Est-ce que j'ai tort? Regarde un peu ce que tu es en train de dire. Tu penses que tu es chanceux? Tu penses que tu es chanceux? Et tu es chanceux? Bien sûr que oui. Je suis chanceux. J'ai de la chance. Tu ne vois pas? Ok, dis-moi. Toutes ces filles derrière qui te courent dans ce village ici, laquelle d'elles t'aime comme Gladys et moi? Parce que je ne suis pas comme toi, hein? Je ne glorifie pas les femmes. Je suis juste comme tu me vois. Je ne glorifie pas les femmes. Exactement comme tu es en train de glorifier ta Mais ça, c'est en parenthèse. Tout ce que je veux dire, c'est... Tu devrais remercier ta sœur. Parce que c'est pas seulement quelquefois. La famille vient avant tout. Avant toute chose. Gladys est aussi la famille. Quelle famille? Gladys, c'est ma famille. Famille? Oui. Ok, tu ne sais pas que Gladys est la femme avec laquelle je passerai tout le restant de ma vie. Elle est ma famille. Tu n'arrives pas à comprendre ça pourquoi. Est-ce que tu t'en parles? Devine! Il y a quelque chose, hey. Non? Qu'est-ce qu'il y a, Devine? Quelqu'un doit me réveiller! Arrête de te donner des coups! Okoye a gagné un visa des États-Unis à la loterie! Il a gagné à la loterie! Vraiment? Je le savais! Okoye est un homme bon! Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes! Vous voyez maintenant? Oh Dieu, maman, merci. Écoute! Je sais qu'Okoye ne va pas m'oublier! Oh, oui, ça c'est sûr! Il va m'emmener aux États-Unis d'Amérique! Oui, ah, Oga Okoye a de la chance! Oga Okoye! Grand frère, tu as finalement choisi Gladys comme ton partenaire. À ma place, moi ta sœur. Hein? Tu as complètement oublié que c'est moi qui t'ai donné cette idée. Et ce n'est pas juste, non? Ce n'est pas du tout juste. Ijoma, c'est quoi ton problème? Au lieu que tu sois heureuse que ton frère va voyager vers les États-Unis d'Amérique, toi tu es là à te plaindre que je ne t'amène pas avec moi aux États-Unis. Hein? Écoute. Une fois arrivé aux États-Unis et une fois installé, je t'inviterai aussi. Hein? Ne parle pas comme si je n'avais pas ça dans ma tête. Écoute, dis-moi un peu, Ijoma, pourquoi tout ce qui concerne Gladys te met en colère? Hein? Écoute, tu ferais mieux de commencer à l'accepter, oh. Oui. Rappelle-toi, elle sera ma femme. Très bientôt, elle sera ma femme. Et ta belle-sœur. Grand frère, c'est de la triche. C'est de la triche. C'est une vraie triche. Pourtant, c'est moi qui t'ai donné l'idée en premier. Ce n'est pas du tout gentil. De quoi? Est-ce que tu as vu? Comment m'insulter? As-tu vu ça?
Je suis déçu de toi. Je suis un fou. De quoi? Voilà que tu es là de dire n'importe quoi. C'est pas normal que tu dises ça. C'est pas normal. De quoi? Ne m'appelle pas. Allez, c'est ton métier, non? C'est mon petit ami. Oui, je t'ai dit. Tu les connais pas. Tu sais que tu es chanceuse. Arrêtez ça. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ok, à cause de cette chose, Piggy, cette mascarade. Ok, laisse-moi te le dire comme un avertissement. Gladys, reste loin de mon frère. Reste loin de ma famille. Arrête de me ravir ce qui est à moi. Choma, que je reste loin de Koye. Je ne vais plus t'avertir. Tu ne m'iras pas ce que je vais te faire. Tu ne l'aimeras pas. Tu n'importe quoi. Idioma, mais vas-y lentement avec ça, s'il te plaît. Hey! Idioma vient de me demander de rester loin. Mon petit ami. Ah, t'occupe pas d'elle, allons-y, s'il te plaît. Elle m'a attaqué. Bébé, allons-y. Si ce n'est pas pour le respect que j'ai pour son frère Okoye, j'allais lui donner une très bonne leçon. C'est quoi ça? Allons-y, s'il te plaît. Allons-y. Tu fais mal à mon bras. Idioma va voir aujourd'hui. Elle verra ma colère aujourd'hui. Elle verra la colère d'abord. Non, c'est pas faire ce que tu vas regretter plus tard. Bien, de quoi? Ne me touche plus. Je t'ai bien dit, ne me touche plus. Laisse-moi tranquille, de quoi? C'est à moi que tu pointes ton doigt comme ça. Alors, ça, c'est la bonne. Je vais te suivre. Attends, ne marche pas trop vite. Je disais, hein, tu vois ce qu'il a. C'est trop gros, même plus que de son père. Je me demande, mais comment il faisait même, hein? Si tu voyais la... Idioma! C'est quoi avec toi, Okoye? Hein? Tu vas faire quoi si je te laisse la frapper? Nous, c'est quoi ton problème? Idioma! Oh! Laisse-moi faire tranquille. Qu'est-ce que tu parles? Seulement que tu parles comme ça. Doukoué, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire comme ça? Pourquoi tu te prends? Sans tes questions. Tu l'es dans ce truc. Idioma, sors ici vite. Écoutez-moi, toutes les deux. Je vous tuerai dans cette maison aujourd'hui. Tu ne veux rien faire du tout. Rien du tout. Tu ne feras rien. Tu verras. Mais attends, où est-ce que tu vas avec ton sac? Je m'en vais à Paracourt. Je vais habiter avec tantine Hélène. Je ne vais plus rester dans cette maison pour voir une autre femme. Profiter de ce qui me revient. Mon frère propre, mon frère biologique, ne prend pas soin de nous. Il me sacrifie pour son propre bonheur et le bonheur de cette fille. Non. Je comprends très bien comment tu te sens. Mais c'est déjà trop tard, non? Hein? Ne regarde, tu peux pas à l'heure. Hein? Tu veux vraiment voyager à 7 heures de la journée? Regarde un peu ton heure, il va faire 16 heures dans 3 minutes. C'est le mieux pour moi la place de rester ici et le voir me frapper encore la seconde fois. Laisse-la partir. Si tu la persuades de rester ici, je pourrais finir par la tuer un jour. Alors laisse-la partir. Pas. Mais qu'est-ce que tu te prends au juste? Hein? Tu veux vraiment renvoyer ta soeur de la maison à 7 heures de la journée? N'es-tu pas en train de regarder l'heure? Hein? Et en plus, je suis là en train de parler et tu réponds aussi. Tu veux la chasser à cause de ta femme? Une femme avec laquelle tu ne m'as même pas encore marié.
Ne suis pas sûr que demain elle va te quitter pour un autre homme. Hein, c'est sérieux. De quoi tu mens? Écoutez, Gladys ne va jamais me quitter. Ma Gladys ne me quittera jamais. Pas! Va vivre avec elle! Coureur de jupons! Inutile que tu es! Animal! Ondoukwa, tu as entendu ça? Elle me traite d'homme inutile, tu as entendu? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu es la cause de tout ça, oh! Je souhaitais avoir des mains, hein. Sinon je t'aurais giflé moi-même. Hein? Ça veut dire quoi tout ça? Tu es supposé être un homme. Non. Est-ce que tu dois vraiment répondre à tout ce qui sort de la bouche d'une femme? C'est cette chose que tu as là, c'est comparable à de l'herbe. C'est pas de la barbe. Tu ferais être un homme. Hein? Ndoukwe, pourquoi tu es de son côté? Pourquoi tu es de son côté? Et toi là, tu fais quoi ici? Ma sœur, Reste, tu viens de voir avec elle. C'est quoi avec toi? Tu restes encore là. Je dis pas toi, dis pas toi. Va-t'en. C'est quoi ton problème, non? Hein? Pourquoi tu es en train de la traîner comme ça? Si tu touches encore à cette fille, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ndoukwe, fais attention. Écoute, reste en dehors de mes affaires. Reste loin. C'était bien dit, Ndoukwe. Je ne plaisante pas. Mes enfants, mon Dieu ira avec vous. Que Dieu vous accompagne. Je suis convaincu qu'à votre retour, vous nous rendrez fiers. Que Dieu vous garde. Amen. Merci, maman. Oui, je te promets. Quand je serai en train de rentrer, j'achèterai quelque chose de très spécial pour toi. Quelque chose de très spécial. Et écoute ce que maman est en train de dire. On ne ramasse pas l'argent là-bas. Oh. Avec un cadeau spécial. Vous devez commencer à partir. Il n'y a pas assez de temps. Maman, continue de prier pour nous. N'arrête pas. Prends bien soin de maman. Oh. Compte sur moi, je suis là. Oui, très bien. Ne m'oublie pas. Oh. Bye bye. Au revoir. Oui. Au revoir. Oh. Okoye, je n'aime pas cette attitude. Hein? Tu devais au moins être content pour moi. Sois content parce que tous les deux n'avons pas échoué à l'interview. J'ai réussi. Tu dois savoir que ma réussite est aussi la tienne. Hein? Je te promets, bébé, qu'une fois que j'arriverai aux États-Unis, je t'enverrai une invitation et tu viendras me rejoindre. Ok. S'il te plaît, mon amour. Tu la soutenir n'est pas une interview, non? Hein? Tu dois la soutenir. Mais je prie quelqu'un ne va pas s'oublier quand elle va arriver là-bas et faire de l'argent. Ndoukwe, pourquoi dis-tu une telle chose? Tu sais que j'aime Okoye. Il est ma vie. Bébé, tu sais que je ne saurais pas vivre sans toi. Je reviendrai. Allez, bébé, souris. Je reviendrai pour toi. Je t'enverrai une invitation. Hein, bébé? Doucement, non? Tu vois? Je l'avais dit l'autre jour.
Je me souviens vivement. Vous voyez comme votre pire ennemi, hein? Mais maintenant là, qu'est-ce qui est en train de se passer, hein? Quand on n'a même pas encore chanté une fois, voilà qu'elle a déjà commencé de régner, hein? Et c'est, Si tu m'avais écouté, toutes ces choses ne seraient pas arrivées. Je vais plus rien de plus haut. Undukwe, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Et tu as raison. Mais s'il te plaît, je veux juste être seul. S'il te plaît. Quand les gens sont seuls, ils réfléchissent bien. Je sais juste que tu utilises ta tête. Hein? Je t'ai dit. Maintenant tu vois comment les choses se passent. Mais tu avais dit non. Hein? Quand tu fais quelque chose pour une femme, et tu sais que tu le fais pour une femme, elle va s'occuper à le rendre à un autre homme. Quel tonnerre, ça va être sur tout là-bas. Idiot. Allez, frérot. Je suis une cowboy venant du Texas. Allez, toi. Tu sais de quoi je parle? Je vais t'emmener au Texas. Là-bas? Oui, négro. Tu y vas voler. Hé, Bouka. Gladys. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Montre-moi ce qui te poursuit, je vais l'attaquer. Allez, ferme ta bouche, idiot. Ton ovide. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Au fait, qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Hé, négro, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle balance? Punaise. Hey, Gladys, pourquoi tu menaces cet homme de cette manière? Pourquoi tu fais ça? Tu veux payer sa gentillesse en monnaie de singe? En quoi il a tort? Et toi, tu as les culots, l'infanterie, d'aller le confronter avec une arme. As-tu pas honte de toi-même? Et pourquoi devrais-je avoir honte de moi-même, maman? Hein? Pourquoi? Est-ce que c'est une obligation pour ma Adane d'épouser ces boucas de basse classe? Est-ce par force? Je suis parfaitement conscient de tout ce qu'il a eu à faire pour moi ainsi que pour ma chère sœur. C'est déjà suffisant pour tout le temps qu'il a eu à passer avec ma chère sœur. Elle ne lui doit plus rien maintenant. Ça, c'est mon égo. Hein? Le niveau de stupidité que vous avez atteint. Tous les deux, arrête avec ces racontards. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Êtes-vous devenu fou? Écoutez-moi tous les deux. Et soyez prêts à porter les conséquences de cet acte que vous venez de faire. Aussi grand les conséquences sera, aussi grand vous en paierez le prix. Je veux me rassurer que vous payez le pot cassé tous les deux. Je sais ce que cet homme a fait de mal pour qu'il soit menacé autant. En quoi il vous a offensé? En quoi? Allez maman, c'est ce que tu racontes? Oui. Ok, d'accord. Laisse-moi le dire un peu plus clair pour toi. La prochaine fois qu'il osera merder comme aujourd'hui, le gars, je l'enverrai derrière le barreau pour je ne sais combien de temps. Et s'il arrivait qu'il meure, maman, ça m'est égal. Allez les gars, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas dans ces villages? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette ville? Hé, hey, Gladys, maintenant que tu as un peu d'argent, tu te permets de parler n'importe comment. As-tu déjà oublié que cet homme a porté la lumière dans ta vie? As-tu déjà oublié tes origines, Gladys? As-tu oublié qu'il y a eu un temps où manger la simple nourriture
ou changer tes sous-vêtements. Pendant qu'on avait des problèmes dans cette maison, cet homme que tu qualifies de tous les noms maintenant est celui qui a tout risqué pour t'apporter de la lumière. Il nous a soutenus. Il nous a tout donné. Alors pourquoi veux-tu le payer, le malheur? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Cet homme qui n'a pas hésité de t'aider avec le peu qu'il gagnait, tu as aujourd'hui le courage d'ouvrir ta bouche et de dire tu vas l'incarcérer et que s'il mourait, ça ne te regarde pas? Tu t'en fous. Je ne prendrai pas part à ses plans. Tu n'as qu'à la fermer. Oh, bordel, mais c'est quoi son problème? Elle doit comprendre ce qui se passe. Il faut le faire. S'il meurt, ça ne me regarde pas. Ok? On s'en fout. Maman, je suis là pour que nous nous parlions sérieusement. Mais c'est très évident que Gladys ne veut plus de moi. Je peux voir comment elle veut me rendre tout ce que j'ai fait pour elle et tout ce que j'ai fait pour cette famille. Mais c'est bon. C'est bon. Je ne suis pas là pour faire un problème ou pour la supplier à se remettre avec moi. Parce que moi non plus, je ne veux plus d'elle. Ma prière est que Dieu la récompense selon tout ce qu'elle a fait. Okoye. Maman. Tu es une bonne personne. Sincèrement, du fond de mon cœur, j'ai toujours souhaité que tu sois mon beau-fils. Et je veux aussi que tu saches et que je ne suis pas d'accord de toutes ces décisions. Je ne suis d'ailleurs pas au courant de tous ces plans. Je suis une bonne personne. Je sais, maman. Je sais que tu ne connais aucun de ces plans. Gladys. Hey, arrête-toi là. N'ose plus jamais. N'ose plus jamais mentionner mon nom. Plus jamais. Arrête de chialer comme un enfant et affronte la réalité et de la vie. Ok? Combien as-tu dépensé sur moi? J'aimerais le savoir. Combien as-tu dépensé pour moi? Donne ton prix, négro, et je te paierai sur les champs. Ok? C'est quoi cette bêtise? Vieux fou. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Stupide. Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu peux le garder, tout ton argent. J'ai fait de toi ce que tu es. J'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est bon. Il n'y a aucun problème. Maman. Il faut que je parte maintenant. Casse-toi. Je vais vous laisser. Va-t'en d'ici. Dégage, je ne veux plus te voir. Ne remets plus tes pieds dans cette parcelle. Foutaise. Stupide fou. Mais voyez-moi cet idiot, maman. Ne m'appelle pas. Sérieux? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah. Insensé. Sérieux? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Hein? Maman? Maman? Hein? Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Dites-moi, qui puis-je faire pour vous? Je ne comprends pas. Mais vous êtes ici dans mon atelier. Dites-moi, vous êtes venu acheter quelque chose ou comment? Qu'est-ce que vous voulez acheter ici? Vous êtes les soudeurs, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Intéressant. Merci Dieu. Vous êtes ici. S'il vous plaît. J'étais en train de chercher comment vous atteindre. J'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez toutes ces histoires ici, tous ces staffs, pour les mettre dans un autre endroit, s'il vous plaît. Emballez-les, parce que je vais commencer quelque chose ici dès demain. Je ne comprends pas, monsieur. Je veux dire, ici, là, c'est mon atelier, donc j'occupe cet endroit. C'était votre atelier. Maintenant, ça n'est plus. Je vais vous expliquer. Je viens de payer pour cet endroit. Je vais commencer quelque chose ici. Alors, je veux que vous... Prends tes affaires et va-t'en. J'ai payé chez... comment est-ce qu'elle s'appelle encore déjà? Mademoiselle Gladys qui vient des États-Unis. Hein? Je vous supplie de prendre vos histoires pour les amener ailleurs. Parce que demain, je vais commencer une autre chose ici.
Ça ne sera pas bien si je viens demain et je vous trouve ici. Monsieur, mais il s'est passé quoi? Je pense que j'ai passé le message demain. Je ne vais pas vous trouver ici. Mais, monsieur, hey. Ah oui, envoie-les tout de suite dans mon compte. Je te reviendrai. D'accord, merci beaucoup. Oui. Hein? Donc c'est vrai que tu es déjà dans ce village. Et tu ne te déranges même pas de venir me voir, moi, ton ami. Attends, Kiki. Dis-moi, attends, Kiki. Parce que tu es la reine Elizabeth ou Bill Gates? Moi? Encore mieux, Donald Trump, c'est ce que tu es? Allez, jeune femme. Pour qui tu te prends? Tu t'attends à ce que je vienne te rendre visite? Moi, la reine des cowboys au Texas, dans les États-Unis? Tu dois être stupide et malade. Hey! Les merveilles ne finiront jamais. Gladys! Tout ce que tu as fait comme drame, c'est à cause de tout ce que je viens de te dire? Je pensais que... À quoi est-ce que tu pensais? Hein? Tu croyais que j'allais sauter ou rouler par terre quand je te verrais? Tu dois sûrement avoir perdu la tête. Tu es vraiment stupide. Ok? Allez, disparais. J'ai plus envie de te voir disparaître. Allez, c'est bon, non? Casse-toi. Tu sais que tu es mon ami. Tu sais, salir mon habit avec des sales mains. Ne me touche pas, tu risques de salir mon habit. Stupide. Regarde-moi cette fille. Du balai. Je peux voir que ton petit ami là de Texas t'a entré dans la tête. Parce que tu n'es plus normal. On verra qui cherchera l'autre. N'importe quoi. Hey! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc c'est toi l'idiot? C'est toi le fou qui a l'intention de faire tomber cette maison avec des coups? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Gladys, qu'est-ce que tu dois encore me faire pour que tu sois heureuse? Dis-moi, quel est le mal que je te fais pour que tu me fasses tout ça? J'ai évidemment tout fait dans ce monde pour te rendre heureuse, mais tu n'es pas satisfaite. Et assez. Assez avec tes bêtises. Dis ce que tu as et dégage. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Qu'est-ce que tu veux? Gladys, sur tout ce que tu m'as déjà fait, tu as encore eu l'idée de me prendre mon atelier, le seul gagne-pain que j'ai dans ma vie. Comment peux-tu être sans cœur envers moi, malgré tout ce que je fais pour toi, Gladys? Allez, négro. Ce n'est qu'une petite morsure. Ok? Parce que si ma mère a osé insulter mon fiancé hier, c'est à cause de toi. Je jure devant Dieu, je vais m'occuper de toi. Je vais me rassurer pour que toute ta génération puisse souffrir. Gladys... dis-moi, comment es-tu parvenu à me prendre mon atelier? Mon cher ex-petit ami. Oh! Il n'y a rien que l'argent ne peut faire. Tu comprends? Oui. Tu sais, ton pauvre oncle t'avait donné cette place pour t'aider dans la vie. C'était vraiment une très bonne chose. Alors j'avais rendu visite à ton très cher oncle avec une enveloppe remplie d'argent. Et il me l'a vendue. Oui, alors, disparais. Je ne vais plus jamais te voir là-bas. Tu comprends? Gladys, que dois-je faire maintenant? C'est le seul endroit où je peux me débrouiller et trouver quelque chose à manger. Mon cher ex-petit ami, oh, il n'y a rien que l'argent ne peut faire. Tu comprends? Oui,
Tu sais, ton pauvre oncle t'avait donné cette place pour t'aider dans la vie. C'était vraiment une très bonne chose. Alors j'avais rendu visite à ton très cher oncle avec une enveloppe remplie d'argent. Et il me l'a vendu. Oui, alors, disparais. Je ne vais plus jamais te voir. Ah! 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 Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Quelque chose de mal est arrivé à Gladys? Donc faire que Gladys me quitte n'était pas assez pour toi et tous les membres de ta gouverne. Maintenant, la seule source de mon bonheur, mon seul gagne-pain est maintenant parti. Tu grand dois frère, payer pour ça. Grand tu frère, vas. Grand frère, je n'ai rien fait du tout. Attends, je n'ai rien fait. Grand frère, je vais n'ai te tuer. Fait. C'est à cause de toi. Fait, c'est à cause de toi. À cause de toi. Frère, c'est à cause de fait. Tout ça. C'est à cause de toi. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de toi. Attends, tu vas payer pour ça. J'arrive toujours pas papa à croire que tu veux le papa laisser tomber Gladys. Je juste comme ça. Je sais que tu penses que je commence à perdre la tête. Mais là, c'est la meilleure décision que je puisse prendre maintenant. Je suis pas en train de penser. Tu es en train de passer les bornes. En fait, tu commences vraiment à devenir véritable fou. Hein? Regarde-toi, oh. Je connaissais qui était un combattant. Ah, oh, automatiquement, je changeais en poule mouillée. Par une ordinaire de Gladys. Non. Oui, ça ne me surprend pas. Je sais Coco est un fainéant. S'il ne se respecte pas, je serai obligé d'utiliser la manière forte. Ouais, t'inquiète pas beaucoup pour ça, bébé. J'étais déjà là-bas. J'ai tout fait hier. J'ai déjà plongé ton ami Koza avec lui. Il m'a dit qu'il appellera ses hommes pour qu'ils descendent et verraient là-bas pour qu'ils ne fassent rien de stupide. Bébé, je sais bien ce que tu peux faire, mais je ne crois pas que ce serait nécessaire. Parce que si tu ne réfléchissais pas, tu allais me demander d'aller faire la paix avec lui. Il y a quelques gens qu'on n'a pas de sens commun et je m'énerve lorsque je le vois. Ouais, je te le dis de toutes les façons. Bon, parlons un peu de nous. Bon, quoi de neuf, mon cœur? Ça va, bébé. J'ai pensé à faire un investissement. Un investissement qui va me rapporter beaucoup d'argent dans cette ville.
Oui. Comme ça, quand je serai de retour aux États-Unis, ma mère et mes frères ne vont plus dépendre de moi. Ouais, c'est un plan stratégique. Quel genre d'investissement tu cours derrière de toutes les façons? Bien. J'ai pensé à ouvrir un fast-food au standard américain. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est bien, très brillante. Mais ça va beaucoup coûter, tu sais. Bien sûr. Bien sûr que oui. As-tu oublié que tu t'adresses à la reine des cowboys du Texas? Oh, j'ai oublié. Mon babe, désolé. Je sais de toutes les façons tu le feras. Tu dois tous le prouver. Tu dois mettre un fast-food dans ces villages pour que les reines de Californie vivent ici. Mes salutations, mes excuses. Comment vas-tu? Je vais bien, ne me cache pas ceci, Pourquoi ta femme Gladys, depuis qu'elle est revenue des États-Unis, je ne l'ai pas encore vue avec toi. Mais au contraire, je la vois avec un autre homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Chinelo. Hein? Ce que Gladys et moi avions était une relation et non un vœu. Elle a le droit de vivre sa vie de la manière qui lui plaît. Et d'ailleurs, ce n'est pas toute relation qui mène jusqu'au mariage. D'autres sont des leçons. Hey! En écoutant tes mots, cette fille a vraiment un problème. Hein? Comment cette fille peut être si méchante? Hein? Imagine, je viens de la voir, la façon dont elle était, oh mon Dieu! Et je me suis juste dit, moi, d'autres personnes dans la vie ne méritent pas être bénies par Dieu. Je crois que l'argent lui fait péter sa tête. Il faut être prudent dans la vie. Chinelo. Tu sais quoi? L'argent a sa manière de sortir les bêtes qui se cachent dans certaines personnes. Je n'ai pas d'autre choix que d'avancer et être heureux. C'est tout. Il faut seulement être prudent. De toute façon, il faut que je parte. Prends bien soin de toi. Pas de problème. Bye bye. Bye bye, oh. Che! De toutes les façons, c'est votre vie, oh. Serveuse. Mais qui est ici? C'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? As-tu un problème avec le tempa? Hein? J'ai t'appelé depuis et tu refuses de répondre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Penses-tu que je suis venue ici sans argent? Crois-tu que je n'ai pas des sous? C'est vrai ça? Mais madame, vous venez à peine de m'appeler. Sérieux? Yeah. Que dois-je vous servir? Qu'est-ce que vous voulez? Comment viens-tu de m'appeler? Attends, t'es sérieuse? Madame? Allez, jeune fille, ai-je l'air vieille? Petite correction. Mon nom est Gladys. Ok, c'est comme ça que je dois m'appeler. Apporte-moi de la crème chantilly. Et que ça saute. Yeah, je suis désolée, oh madame. Je ne connais pas la crème. D'ailleurs, je ne connais même pas cette chose que vous venez de me dire. Tout ce que nous avons ici est, regardez. Il y a que la bière et de la viande. Oh, c'est bordel tout. De merde, jeune fille. C'est vraiment local. C'est local. Peu importe. Alors, du fait que tout ce que tu vends, c'est de la bière et de la viande, dans ce cas, apporte-moi du poulet farci. Ok? Chauffe-les dans le micro-ondes. Et une bouteille du champagne.
Fais vite. Hé, attends. Tu rêves ou quelque chose d'autre? Ou quelqu'un t'a envoyé pour venir m'embarrasser? Ou gâcher tout ce que j'ai? Je ne comprends pas. Tu parles juste de champagne, de ceci, cela. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. On n'a pas tout ce que tu mentionnes là, s'il te plaît. Emballe tes choses et commence déjà à partir. S'il te plaît, je ne veux pas de problème. Il fait très chaud. Es-tu stupide? Tu me demandes de partir d'ici? Tu veux que je parte? T'es vraiment stupide. N'es-tu pas contente du fait que je suis dans ton shop? Oui. Sais-tu qui je suis? Est-ce que tu me connais? Sais-tu à qui tu t'adresses? La reine des cowboys au Texas, dans les États-Unis d'Amérique. Oui. Tu es une folle. C'est bon, je me casse. Tu as raté une bonne cliente. Reste avec ton resto de merde. Merci, va-t'en. Folle. Va-t'en, oui. Tu viens juste pour m'embêter ici. Salut, maman, Gladys, c'est là. Dis-moi une chose. Qui est Gladys pour toi? Hmm? Je veux dire, quelle est la relation qu'elle a avec toi? Oh! Ben, Gladys est mon amie, maman. En fait, nous deux, on s'est rencontrés à l'aéroport lorsque elle avait eu des problèmes à l'immigration. Je l'ai aidée pour qu'elle récupère ses papiers et on est devenus amis. Et depuis ces jours, on est devenus très proches. Je te hais. Je te hais avec passion. Je hais ta présence dans la vie de ma fille. Et je veux que tu restes loin d'elle. Laisse-la tranquille. Est-ce que tu m'as entendu? Ah, maman, mais c'est étrange. C'est moi, Tony. C'est un peu impossible de rester loin de votre fille. On est amoureux. On vient de loin. Oh! Je veux dire que tu es en amour avec ma fille. Ouais, maman, tu devais le savoir. Oh, tu viens de dire une chose qui donne un sens à tout ce que je pensais. Tu es ma fille. Ouais, maman. Hey, vraiment. Ok. Gladys, je crois qu'elle est en train de dormir. Tu veux bien la voir, n'est-ce pas? Exactement. Ok, laisse-moi aller l'appeler. Je parie que quelqu'un t'avait énervé, n'est-ce pas? C'est pourquoi, hein? Ok. Je comprends. Okay, je l'appelle. Hey. Ok, attends, j'entre à la maison, je sors l'essence, je le verse sur toi comme ça, ça va t'enflammer directement. Va-t'en de chez moi, pars, que je ne te vois plus jamais ici. Si je te vois ici, je te promets que je vais te tuer, tu es malade. N'essaies-tu pas qu'elle est mariée? Va-t'en. Maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis vraiment en colère contre toi. C'est quoi cette bêtise? Qu'est-ce que c'était, maman? Pourquoi as-tu humilié mon visiteur? Pourquoi? Dis-moi pourquoi, j'ai envie de le savoir. Pourquoi? Tu peux dire tout ce que tu veux. En fait, tu peux même... Viens me battre. Viens battre ta mère. Laisse-moi te mettre les choses au clair. Dis à ces vauriens. Et je ne sais comment tu l'appelles, qu'il ne met plus jamais ses pieds dans cette parcelle. S'il ose le faire, je ferai quelque chose que ses ancêtres n'aimeront pas. Et qui fera pleurer son chi. Hey! Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai envie de comprendre. Vas-y, parle, je t'écoute. Attends, laisse-moi te dire un truc. Laisse-moi t'éclairer sur un sujet. Laisse-moi être clair avec toi, ok? Je suis une adulte. Je suis une adulte, donc je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas. Je sais ce que je veux, ok? J'ai le droit. J'ai pleinement le droit de choisir la personne avec qui je compte me marier. Sérieux? Pourquoi tu renverses de l'eau sur lui? Pourquoi tu renverses de l'eau sur lui, maman? Maman. Verser de l'eau sur la personne qui est venue chercher Adam né l'autre jour est mauvais. Ferme ta bouche, imbécile. Dites tout ce que vous voulez tous les deux. Retenez que si cet homme vient encore chez moi, je lui verserai de l'eau chaude. Il va le regretter toute sa vie.
Ou encore c'est l'essence que je verserai sur lui. Le temps que tu lui viennes en aide, il serait déjà poussière. Sachez que c'est ce jour-là qu'il va rejoindre ses ancêtres. Es-tu folle? C'est pas vrai. Tu te trompes. Tu ne le feras pas. Ouais, on le fait progresser. Cet homme a dit qu'il nous montrera au plus tard demain. Ok. J'espère au moins que c'est un endroit stratégique, n'est-ce pas? Relax, bébé. Cet homme est stratégique. T'inquiète, tu le verras demain. Tu sais, j'ai même pensé qu'on peut mettre quelques stationnements auprès de ton restaurant ou fast-food, donc ça pourrait complémenter. Waouh! T'es sérieux? Allez, micro, je le disais. Waouh, on peut les construire. Je le disais que tu es un homme vraiment fait pour moi. Oui, j'apprécie. Tu vois. Fréquent, bébé, allez. Ouais, pour progresser. Oh. Mes chers, comme vous pouvez le voir, de ce côté jusqu'à l'autre côté là-bas, je connais tout cet endroit. Comme vous pouvez le voir, les choses commencent à changer. Regardez la route. Bientôt, il y aura des grandes routes ici et beaucoup de constructions. Vraiment? Vraiment, oui. Hein? Oh, ça me plaît, bébé. Je t'avais dit que t'allais le main. Ça me plaît. Ma chère, il faut payer d'abord. Une fois que vous payez, tout sera à vous. Non, oublie ça, l'argent c'est rien, on va tout régler, je t'assure. L'argent n'est pas un problème. Ah, ok. Oh, bébé. Ouais, tu vois maintenant, je t'avais dit. Je t'avais dit. Tu vois maintenant, tu l'as. Ouais. Et le devant sera de ce côté. Ouais. Et mon stationnement sera juste là-bas. Oui, là-bas. C'est ça. J'adore l'idée. Très bien. Merci beaucoup. Machi, tu veux pas dire la vérité, hein? Tu veux pas dire la vérité, n'est-ce pas? Écoute, dis-moi où tu as mis cet argent. Tu as trouvé cet argent. Tu vas le sortir aujourd'hui chez lui. Enfin, je jure devant Dieu, je jure que je n'ai pas pris ton argent. Je jure, je n'ai pas volé ton argent. Je ne savais même pas qu'il y avait l'argent dans cette maison. Je jure, comment d'ailleurs tu peux accuser ta sœur d'avoir volé ton argent? Je ne veux pas voler. Oh, tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je ne sais pas? Parce que tu m'as demandé 1000 naira pour la nourriture. Et j'ai dit que je n'en ai pas. Et tu as eu le courage d'aller voler les 10 000 que j'ai gardés, que je vais utiliser, pour aller supplier que la liste me rende à mon atelier. Grand frère, donc tu avais caché 10 000 dans cette maison? Tu avais 10 000 dans cette maison, mais moi je mourrais de faim. Tu as caché 10 000 dans cette maison pour payer à Gladys pour que tu sauves ta boutique. Tu as caché 10 000 pour donner cette femme pour ta boutique. Et moi, ta soeur, tu n'arrives pas à me donner 200 naira pour acheter des médicaments. Tu es vraiment un vaurien. Tu es un vaurien, je te déteste. Moi, inutile. Hein? Moi, inutile. Moi, inutile. Hein? Moi, inutile. Hein? Moi, inutile. Hein? Moi, inutile. Hein? Parle encore. Moi. Tu dois bien le trier. Fais attention. Laisse-moi finir d'abord. Je crois que c'est prêt. Hey! Allez, maman! Oh, maman! L'américaine! Ma sœur américaine! Hey, la douceur incarnée! Allez, maman, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, oh! Elle n'est pas contente? Allez, maman, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Parle à ta fille, je suis là, je t'écoute. Je viens d'acheter un terrain pour vous. Hein? Bien sûr. Tu sais que j'aime beaucoup ma maman. Alors, j'ai l'intention d'ouvrir un très grand fast-food pour vous, au standard américain. Tu sais que nous n'avons pas ce genre de resto dans la ville. Alors, j'aimerais que tu sois heureuse. Je vais essuyer tes larmes. Ok? Je vais dépenser $1000 sur toi, maman. Je veux que tu puisses bouffer mon argent. Allez, jette un œil là-dessus. Souris, maman. Ça, c'est ma maman chérie. Inter. Maman, hein? Maman, tu vois l'importance d'avoir quelqu'un à tes côtés qui a beaucoup d'argent. Hein? Parce qu'il va te montrer les bons chemins. Et toi, tu n'as qu'à suivre cela. Suis les chemins. Allez, maman. Maman? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est quoi ton problème? Ne me dis pas que tu n'aimes pas les bonnes choses qui nous arrivent ici. Hein? Elle n'est toujours pas heureuse. Tout ce que je veux, qu'elle puisse être heureuse. Donc, c'est comme ça qu'elle me remercie. Hein? Maman?
Tu veux pas dire la vérité? Tu veux pas dire la vérité, c'est ça? Grand frère, je n'ai pas. Je n'ai pas volé ton argent. Je jure, je n'ai pas volé ton argent. Ah. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu dises la vérité. Ou tu vas mourir ici. Ouais, je te le dis. J'ai maintenant 15 millions de Naira. Je suis un riche. Ouais, je te le dis. Maintenant, je le suis. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Mon gars, c'est une longue histoire. Je peux pas te raconter tous les détails. Ouais, 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 ouais. Comme on le dit, mon gars, y a rien pour rien. Ouais, je te dis maintenant. Maintenant, je suis le riche. Ouais, je l'ai retiré. Et je l'ai retiré avec la voiture. Ouais, en tout cas, je pars à Lagos. Très bientôt. Ouais, comme je te parle maintenant, mon gars, dans mes poches, il n'y a que du pognon qui coule. J'ai 15 millions. Ouais, mon gars, t'inquiète pas. Une fois que je serai là-bas, je t'appellerai pour prendre ta part. Ouais, mon gars, t'inquiète, bien saisi. D'accord. A plus. Maman, qui t'a fait ça? Ah, Ndoukoué, peux-tu imaginer que cette fille Madji a volé mon argent hier et elle a dit que moi, je suis un homme inutile. C'est pourquoi je l'ai lié comme tu peux voir là-bas. Hey! Fou, Tu es lié ta soeur ici depuis hier, hein? Tu es un monstre. Tu es un monstre. Tu n'es même pas supposé être un être humain. Tu es vraiment un fou, idiot. Quoi? Non, non, ne fais pas ça. Si, c'est un monstre. Tu es arrivé ici. Tout le village va entendre tout ce qui va se passer. Méchant, idiot. Ne fais pas ça. Ndoukoué. Viens ici. Un homme stupide. C'est quoi ça? Imaginez. Cette fille n'a pas mangé depuis hier. Mais tu d'ailleurs cette quoi? Cause de l'argent. Ça va aller où? Ndoukoué. Essaye d'avancer. Ndoukoué, tu me donneras cet argent. Ton nerf s'abat sur toi. Ndoukoué, tu me donneras cet argent. Tu vas mourir avec cet argent. Voilà qu'elle est presque morte. Réveille-toi. Tu la mets où comme ça? Laisse-la ici, Ndoukoué. D'avancer sur moi. Tu verras que ton nerf s'abat sur toi. Idiot. Oui, voilà. Voilà, hier c'est mieux. Hier c'est beaucoup mieux. Hein, laissez-moi rester seul. N'importe quoi. Idiot. Hier c'est mieux. Va avec elle. Amène-la partout où tu veux. Hein, comment cette petite fille peut m'acheter dans ma maison et dire que moi je suis inutile?
ta petite sœur était presque morte à cause de ta stupidité. Si seulement Dieu ne m'avait pas envoyé chez toi le jour-là. Je ne sais pas ce qui se serait passé. J'avais utilisé toutes mes économies. J'ai même prêté de l'argent juste pour qu'elle survive. Tout ça pour qu'elle survive. Hein? Tu ne mérites même pas d'avoir mon match en tant que ta petite sœur du tout. Tu tiens des bons en cours. Mais maintenant, pars de ma maison avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Ah, mon Dieu. Que suis-je devenu? Je suis devenu terrible pour mes deux sœurs qui m'aiment vraiment beaucoup. Je leur ai fait beaucoup de choses vraiment ignobles. Mon Dieu. Est-ce que tout ça peut m'être pardonné? Oh Dieu! S'il te plaît, pardonne-moi. Mes petites sœurs. S'il vous plaît, pardonnez toute ma stupidité. Papa, maman, pardonnez tout ce que votre fils a fait. Un frère qui n'a pas bien pris soin des siennes. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien, okoye. Écoute-moi, j'ai d'ailleurs ramené ma match à cause de nos temps qu'on avait à passer ensemble. Alors, peu importe ce que tu as à dire, maintenant, rapidement, parce que je ne peux pas partir avec elle. Je t'en prie, dis-le. Ndoukoué. Merci infiniment d'avoir pris soin de ma sœur Maji. Tu es sans doute un bon ami. Merci, tu sais. J'ai finalement réalisé que je suis un homme inutile. Ijoma et toi aviez raison. Quand vous disiez que j'étais inutile. Je fais du mal à vous deux. Ma. Personne ne rêverait jamais d'avoir un frère comme moi. Ma. Te demander ton pardon est vraiment la chose à laquelle personne ne peut penser. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, du plus profond de mon cœur, je veux que vous me pardonniez, Ijoma et toi. Et je vous promets que j'arrangerai tout avec vous deux. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses envers vous. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Vous allez à arrêter avant que je me mette à pleurer maintenant. Arrêtez maintenant. Si, arrêtez maintenant. Levez-vous. Hein?
Arrêtez de... Non, arrêtez. Oh, 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 laisse-moi te dire la vérité. Tu vas voir ma tu t'aimes vraiment. Énormément. Tu sais, depuis tout ce temps, elle n'était pas vraiment elle-même. Hein? Vous savez, ce qui vient de se passer maintenant, hein? Nous tous allons sortir ensemble. On va faire ça. Allez juste mettre vos plus beaux habits, on va sortir, non? Allez, va vite, mettre tes habits de Noël. Fais vite, ceux qui vendent la nourriture vont fermer. Merci beaucoup. Je t'avais dit qu'il allait changer. J'arrive. Maji, qui est là? Je ne sais pas, laissez-moi vérifier. Lentement, j'arrive. Grand-sœur. Ma sœur, viens là. Viens là, ma sœur. Viens là. Oh, ma sœur. Dis-moi comment tu vas. Ah, c'est ma sœur. Ah, ma sœur. Grand-sœur. Mon bébé. Regarde-toi. Waouh. Ah, Ijoma, ma sœur. J'ai vraiment appris ma leçon d'une manière très dure. C'est bon. Et c'est une bonne chose pour toi d'en tirer une leçon. Il est vrai que c'était dur, mais il n'y a pas de souci. Ah. Je suis contente pour toi. Hein? Maman, regarde pour toi. Tu as tellement grandi. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. grand frère, il y a une entreprise dans laquelle ma fiancée m'a introduite. Ils sont sur le point de venir construire leur succursale ici au village. Et sur ce, je leur avais suggéré la terre que notre papa nous a léguée. Je veux qu'ils viennent le voir pour savoir s'ils seront d'accord avec. Ijoma, je suis désolé. Je ne pourrais pas vendre ce terrain. C'est la seule chose qui me reste. Mm-hmm. Si vraiment je voulais vendre ce terrain-là, je l'aurais fait il y a déjà très 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 longtemps. Au moins pour obtenir un nouvel atelier. Tu vas le vendre. Écoute-moi. Est-ce que tu vas bien, toi, là? Tu m'as bien entendu? Je dis que je ne vendrai pas ce terrain. Tu ne refuseras pas si c'est à 10 millions de naira. Pardon? Je n'ai pas entendu. 10 millions de naira, c'est le minimum qu'ils sont prêts à payer si le terrain est ce qu'ils veulent. Ijoma, s'il te plaît, arrête-moi ces blagues, s'il te plaît. Hein? Sois un peu sérieuse pour une fois. Je suis sérieuse. 30 millions. 30. Mais ils sont où? Qu'est-ce qu'ils gardent encore? Dis-leur de venir déjà. Je vendrai les terrains. Je les vendrai. Grand frère, tu vois cette maison? On va les démolir. On les détruit, puis on va les terrains. Ah, mais oui. Nous allons vendre tous ces terrains. Tous ces terrains que vous voyez là. Nous allons vendre ça. S'il te plaît. Dis-leur de venir. J'ai peur de sa patience, moi là. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Bordel! Non, à toi, Alisson, c'est vrai? Ah. Oh, non. Ma sœur, es-tu sûre? Je veux dire, es-tu vraiment sûre que la terre dont tu parles, c'est la même terre que tu avais achetée pour les projets des fast-food? C'est quoi ce genre de question? Oh, non, c'est quoi ce genre de question? Suis-je aveugle? Je connais bien cette terre. Oui, je connais très bien la terre pour laquelle j'ai dépensé mon argent. Oui. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais remis à Tony tout l'argent que ce type avait demandé. Oui, je lui ai aussi remis de l'argent pour qu'il aille à Lagos contacter les entreprises de construction qui vont travailler dans ce projet. Oui, j'en suis plus que sûr. C'était ça les lieux. Oui, c'est ça. Je connais bien les terrains que j'avais achetés. Oui. J'en suis sûr. Je mettrai ma main à couper, j'ai acheté ces terrains.
Si c'est ton droit. Ah. Ouais, je m'en fous de toute autre chose. Tout ce que je sais, que j'ai un ange qui était à mes côtés et qui est assis devant moi maintenant. Je veux que tu saches une chose, bébé. Maintenant, avec toi, tout le temps, je te tiens. Je jure sur la vie de ma mère qui est morte que moi, Tony, je te ferai jamais du mal. Bébé, tu sais quoi? Je suis très contente de t'avoir dans ma vie. Wow! Je t'aime beaucoup. Oui. Tu es très beau. Et ton romantisme me rend folle. Tu vas me tuer. J'ai vraiment envie de passer le reste de ma vie avec toi. Tu sais quoi? Si aujourd'hui était le jour du jugement dernier et que Dieu m'ait demandé, « Allez Gladys, qu'as-tu accompli sur terre ?» Je lui dirais clairement que j'ai partagé ma vie avec toi. Oui, parce que je t'aime beaucoup. Vraiment? Et tu me rends folle, toi. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Allez. Bébé, le peu de temps que j'ai passé avec toi est plus que romantique pour moi. Oui, tu vas vraiment me manquer. Sérieux? Oh, mon bébé. Regarde. Peu importe ce que je fais, d'accord? C'est pour notre intérêt. D'accord? Je pars pas là-bas pour rester pour toujours, tu le sais bien. Je pars juste pour quelques jours. Je serai de retour très bientôt. Je serai de retour pour toi. Je sais bien, mais le fait est que tu vas me manquer. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas leur passer un coup de fil? Invite-les de venir ici. Pourquoi pas? Non, bébé, les choses, ça se fait pas comme ça, tu le sais bien. C'est un grand projet. Je dois être présent là-bas. D'accord? Je dois te faire, tu sais, arranger des choses avec eux, les contrôler, voir comment on va en finir avec eux. Ah, c'est vrai. Tu as raison. Tu sais quoi? Pourquoi pas t'apprêter pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu en dirais pour moi? Ça t'est dit? Ouais, c'est brillant comme idée. Je vais dire qu'on commencera par là. Peu importe ce qui va en venir, je t'appellerai. D'accord? Je suis fier de toi. Vraiment? Donc, tu le saches, on doit bâtir un grand fast-food aux environs ici. Oui. On va le bâtir pour toi. Et ma mère sera fière de moi. Ouais, tu vas m'appeler. Hey! Ma sœur, si tu es sûre vraiment de ce que tu dis, mais pourquoi les fédéraux ont pris la propriété? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis confuse. Je pense que l'homme en question est Tony. C'est pas lui qui a fait le coup. Oh, c'est pas vrai. Tony ne peut pas faire ça. C'est pas vrai. Oh, non. C'est vrai? Sérieux? Allez, Nico. Les Tony que je connais ne me feraient pas ça. Il en serait incapable, les Tony de mon ami. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas Tony. Ah non. Hein? Que Dieu soit loué. Dieu, je te remercie. Idiot, ma soeur. Je ne sais même pas comment te remercier. Tu sais, tu es vraiment une bénédiction pour cette famille. Aïe! Regarde-moi maintenant. Je suis plus riche maintenant de 50 millions de naira. Tu vois, ils m'ont même supplié. Ils m'ont demandé d'accepter 50 millions de naira. Moi, avoir 50 millions de naira avec moi. Tu es sérieux? Oui. Qui suis-je? Qui suis-je pour que toi, mon Dieu, me bénisse jusqu'à ce point? Ndoukoué, mon ami,
je dois te remercier d'avoir été là pour moi. Pas seulement en tant qu'ami, mais en tant que frère. Tu es un bon ami, honnêtement. Tu es vraiment un bon ami. Et écoute, tu vois cette richesse. Nous allons en jouir tous ensemble. Ça veut dire que je suis également un millionnaire. Oui. Nous sommes tous millionnaires ici. Merci infiniment au courrier. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. J'apprécie vraiment sincèrement. Tu sais, je suis vraiment très content pour vous tous. Tu vois ce que j'étais toujours dit. Les amis peuvent être remplacés. La famille reste irremplaçable, oui. Je suis juste très content de vous revoir toutes réunies à nouveau. Regardez ces sourires sur vos visages. Honnêtement, oui, merci beaucoup d'être toujours là. Et tu sais, tu as joué un rôle vital pour que cette famille revienne encore ensemble comme ça. Je dois te remercier. Honnêtement, j'ai aussi appris que une personne peut dormir pauvre et ensuite se réveiller en tant qu'une personne riche. Je t'ai toujours dit, non? Je t'ai toujours dit. C'est comme ça que le mien va aussi arriver. Je vais dormir un jour et me réveiller étant millionnaire. Ah, mais tu sais, tant que moi je suis riche, tant que tu es riche. Oui, c'est vrai, mais c'est seulement si tu n'es pas gourmand. Arrête ça. Comment je serai habillé, moi? Écoute, Ndoukoué, nous allons amener quelqu'un ici. Nous allons voir s'il sera capable d'arrêter dans... Non, je ne peux pas arrêter ça. Gladys, une Américaine, Gladys. Gladys, où est ton véhicule? Gladys, où est ton véhicule, Gladys? Tu ne peux pas faire le pire à ton niveau. Le Dieu Tout-Puissant sait comment humilier. Où est ton véhicule? Sentiment quoi? Comment le Tout-Puissant est tombé? Tout fier à quoi? Tony le Tout-Puissant, elle a abandonné Okoye, elle a laissé Okoye pour lui, il a fait abandonner. Elle a abandonné Okoye pour Tony, pensant que tout ce qui brillait était de l'or, tu vois. Après tous les conseils que sa mère lui a prodigués et tous les efforts qu'elle a conjugués pour qu'elle ne quitte pas Okoye, vois maintenant où elle est. Ma chère, une mouche têtue suit toujours le corps jusqu'à la tombe. Tout fier quoi? Que Dieu m'en épargne que je quitterai mon chima à cause d'argent. Tu sais combien je l'aime, non? Je sais, non? Oh, Nawa. Je prie que toutes les filles apprennent par son expérience. Si seulement ça serait possible. Dans ce village, imagine Nkechi. Nkechi, c'est une autre personne. Je la connais, oh. Je la connais très bien. Il aime tellement l'argent. Il n'y a rien qu'on ne verra pas dans ce village. Maman, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Maman, j'ai très honte de moi. J'ai vraiment honte de moi, maman. Et je ne sais plus quoi faire. J'ai été avec lui par l'argent et... Et j'ai pas pu voir l'amour vrai qui était devant moi. Maman, j'ai très honte de moi. Je ne sais plus quoi faire, maman. Arrête. Gladys. Je suis contente que tu aies repris tes sens. Ce qui t'est arrivé était prédestiné.
c'est une leçon. Et moi, je sais que par cette expérience, tu as appris ta leçon. Mais pour l'instant, tu dois reprendre le basique. Commence à la case de départ. Retrace où tu es mal parti. Tu dois les corriger. Ajuste tes pas. Crois-moi que ça ne sera pas facile. Tu as besoin de beaucoup de courage. Puisque là, tu vas rencontrer beaucoup de tentations et des épreuves. Les gens parleront. Mais tu dois être forte. Continue d'avancer. Ajuste-toi petit à petit. Tu vas évoluer. Tu sais, le plus important dans la vie est que quand tu fais des erreurs et que tu les réalises après, continue d'être encouragé. Et dis-toi que malgré ce par quoi tu passes ou tu passeras, tu iras mieux. Ok? Arrête, arrête de pleurer. C'est fini. Arrête. Arrête de pleurer, ma fille. Maman, la question est celle-ci. Sera-t-il en mesure de me pardonner? Parce que je lui ai tellement fait du mal. Je l'ai traité avec haine. Approche. Maman, approche, je l'aime toujours. Je continue toujours de l'aimer. Maman, okay. J'ai me okay, perdu pas mal. Soucis, okay. Okay. Je veux qu'il revienne, je t'en prie. Oh d'accord, il n'y a pas de souci. Arrête de pleurer, arrête. Je veux que calme-toi, calme-toi, ça va aller. Je veux qu'il me revienne, je l'aime. C'est fini, calme-toi. Apaisse-toi. Gladys, n'est-ce pas? Viens, viens. Okoye. Comment vas-tu? Okoye, est-ce que c'est toi? Je vais bien. Comme tu peux le voir. Okoye. Es-tu le propriétaire de cette voiture? Oh, allez, c'est l'une de mes voitures. Et où? Comment va maman? Maman va bien. Elle va bien. Alors, où vas-tu comme ça? Je reviens du marché et je compte aller à l'église. D'accord. Je me dirige aussi vers chez toi. Comme ça, viens, je vais te déposer. Vas-y, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, fais vite. Viens monter dans la voiture, d'accord? Allez. Hey, viens. Imagine ce qui vient à peine de se passer. C'est monde. Hey, cette vie. J'ai appris Coco et travaille maintenant en ville, dans une très, très grande entreprise. Mon ami Ozoma, tu n'avais peut-être pas bien saisi. Il ne travaille pas seulement. Il est le propriétaire de ses compagnies. Es-tu sérieuse? Je suis très sûre et sérieuse. Hey. Il y a une expression qui dit... Toute déception se transforme en opportunité. Qui pourrait croire qu'un jeune homme pauvre du village tout est transformé un jour à un propriétaire d'un grand compagnie? Ce Dieu est vraiment grand. Il est merveilleux. Hey! Il est merveilleux.
Si seulement cette Gladys réciproquait l'amour qu'il avait pour elle, je crois qu'il serait en train de se réjouir et de se retrouver maintenant en ville et en couple. Elle est tellement stupide. Elle est vraiment stupide. J'ai appris une très grande leçon de cette situation de Okoye et Gladys. Je t'ai dit, je me rappelle, est-ce que Okoye demeure toujours célibataire? Parce que je suis 100% célibataire. Qu'est-ce qu'il y a, non? Tu sais d'oser les épaules. Oui, non. Quoi, tu es déjà jalouse de moi? Pardon. Prétendant moi, je suis célibataire. Amibo, je ne sais pas où. Mais tu crois que Okoye va laisser toutes les belles filles de la ville pour revenir prendre une villageoise comme nous? Qui sont les filles du village? Moi, bien sûr. Tu es la seule villageoise ici. Gladys. Tu vas à l'église maintenant? Oui, je suis maintenant une chrétienne née de nouveau. Vraiment? Oui. Oh, Maka. Je remercie Dieu pour toi. Honnêtement, je remercie Dieu pour toi. J'ai donné ma vie à Christ. Oh, c'est très intéressant ça. Okoye, es-tu... Oui, quoi? Laisse tomber. C'est pas grave. Laisse tomber. D'accord. Je suis très reconnaissante à Dieu pour tout, tout ce qu'il a fait pour toi. Mon Dieu est fidèle. Je vais te dire merci pour les articles que tu m'as amenés. Le bagne. Et tout l'argent que tu as apporté à cette famille. Merci énormément. Mon Dieu, mon Chi, continuera à te bénir de maintenant à jamais. Amen. Maman, arrête de me remercier beaucoup comme ça. C'est toi la mère que j'ai maintenant. Tu te rappelles quand je faisais mon soudage là-bas, dans mon atelier. C'est toi qui préparais et m'envoyais la nourriture pour manger. Et même quand ta fille m'a quitté. Maman, j'aurais pu mourir. N'eurent été tes conseils de mère qui m'ont toujours réconforté. Maman, il n'y a rien que je puisse faire pour toi et qui puisse récompenser tout ce que tu as fait pour moi. Okoye, Dieu ne cessera de te bénir. Je suis tellement contente. Au fait, je suis sans mots. Ceci me rappelle, dis-moi, comment vont tes sœurs? Maman, Maji étudie maintenant à Port-à-Côte. Oui, Ijoma fait maintenant la médecine, la chirurgie à l'université de Nigeria, à Suka. Ezuoku. Oui, maman. Hey. Qu'en est-il de Ebuka? Je ne l'ai pas vu. Okoye, mon fils. Ebuka est parti de ses villages il y a quelques mois passés. Après qu'il soit attrapé par la police à cause du vol. Okoye, j'ai béni Dieu pour toi. Qui aurait cru qu'un homme ordinaire réussirait jusqu'à ce niveau? Qui aurait cru que tu passeras par toutes ces choses pour finir un grand homme comme tu es aujourd'hui? C'est juste pour témoigner que ce Dieu est un Dieu fidèle. J'ai béni Dieu pour ta vie. C'est bon, maman. C'est bon. Ne t'inquiète pas beaucoup pour Ebuka. Je crois que partout où il est en ce moment, il va bien. D'accord? Maman, la principale raison pour laquelle je suis revenu sur le village, c'est pour amener Oloji ta fille en ville avec moi. Je souhaite la faire étudier. Oui, maman, je veux qu'elle étudie jusqu'à tout niveau possible. Hey, tu veux aller avec Oloji en ville pour les études? Hey, mon Dieu est bon. Hey, Oloji! Oloji! Maman! Ah non, c'est bon, c'est bon, merci. T'inquiète pas. Comment vas-tu? Hey,
J'ai béni les dieux tout-puissants pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur du monde. Amen, et maman. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Hein? C'est bon, maman. Nous serons bien. Okoye, donne-moi une minute. Pouvons-nous nous retirer pour discuter juste pour une minute? Moi? Vraiment? Oui. Mais t'inquiète pas, dis tout ce que tu as à dire, dis-le ici. Je peux laisser. Oui, c'est ta famille, allez. Monsieur Okoye, je suis très désolée. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, hey, monsieur Okoye. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, allez. Écoute, c'est plutôt moi qui dois te remercier maintenant. C'est plutôt moi. Merci parce que la douleur que tu m'as causée a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oui. Ne te sens pas dérangé, d'accord? S'il te plaît. Puis-je te poser une question? Tu as dit la même chose hier, mais finalement tu n'avais rien dit. Oh. Es-tu marié? As-tu une femme? Hey! Pas maintenant. Mais ce n'est pas ma priorité pour le moment. Ogokoye, pouvons-nous nous remettre ensemble? Comme nous étions avant. Vraiment? Oui. Je veux dire, vraiment? Oui. L'accent américain, c'est parti. Plus jamais ça. Waouh, c'est intéressant. Oh, de toute façon, j'ai un long voyage à faire, d'accord? Maman, il faut juste que nous partions, d'accord? Oui. Oui. Ok, c'est bon. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Maman, as-tu un stylo? J'aimerais écrire ton numéro. Non, non. Non, ne t'inquiète pas. Je vais appeler maman. Dès que nous arrivons. Es-tu sûr? Okay, oui, oui, bien sûr. J'appellerai maman. Au revoir. Prends bien soin de toi. Maman. Ok, allons-y. Allons-y. Prends soin de toi. Okay. Maman, prends bien soin de toi. On le dit, viens. Partons. Allez. Viens, viens. Nous avons un enchaînement pour courir. N'oublie pas de m'envoyer ton numéro de téléphone. Oui, très bien. Bye. Bye, bye, maman. Au revoir. Vas-y. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Au revoir, maman. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.